premier jour d'école à la maison. Donc, c'est déjà commencé. On entend un petit peu des voix partout. Donc, il y a Emerald. Écoute, hein? Il y a aussi Anna. Salut! Puis, on a Rose qui est dans le salon. Mais là, il faut que je commence avec Mila qui est dans la prématernelle. Elle a sa connexion dans deux petites minutes. Je crois que je vais te dire bonjour. Je vais te brancher. T'es dans la salle. Fait que Mila, pétant, on va continuer. Les filles, n'oubliez pas que quand vous parlez, quand vous allez terminer, vous mettez le micro à off. Une chose que je n'avais pas pensé, c'est de prendre des écouteurs pour tout le monde. Là, on entend du bruit partout, donc je fais ça tantôt. Il y a des tablettes qui s'éteignent, l'autre, que le son ne fonctionne pas, et vice-versa. Donc là, c'est pas mal du couroyement. Il faut que je me dépêche à finir ma vaisselle. Après ça, il faut que j'aide ma fille à faire sa présentation orale pendant que les autres sont en cours. Après ça, je retourne avec ma plus jeune du préscolaire en ligne. Après ça, il faut que j'aille préparer les crayons aussi, visés. Hein? Ouais, tu t'en vas voir avant pour professeur de musique. Et après ça, tu t'en vas en mathématiques. Mais avant, il faut faire ta présentation orale. OK? Ok, vas-y, ferme ton micro, merci. Je reviens, là. John s'en vont jouer dehors, dépenser d'énergie, pendant que les autres, il faut qu'ils fassent un traitement de texte. Donc, après ça, c'est Mila qui rentre en cours dans 40 minutes. Non, 30 minutes. Un minute. Et mettez ça. Hey, on se dépêche. On se dépêche. On est sur le gros nerf. Donc, faut que tu prépares un texte? Ouais. À date, comment t'aimes ça, l'école à la maison? Ben, moyen, parce que ça bug presque tout. Puis j'aime pas trop ça, parce que quand ça bug, j'entends presque tout. J'aime pas trop ça. Puis, j'aime ça vraiment beaucoup parce que maman me l'a dit. Je l'ai pas payé pour dire ça, là. J'aurais dû. Par exemple, si je te donne un bel plus, veux-tu m'en redire plus, s'il te plaît? OK. Non, c'est pas vrai! Anna Soleil est en train de faire un traitement de texte. Puis je lui ai dit, tu sais, dis, j'ai été glissée. Puis là, Rose, dis-moi, qu'est-ce que tu m'as dit? Je suis allée cette semaine. Et voilà. Tu sais, quand la plus vieille me corrige, je corrige sa mère. Excellent. Il en faut bien une qui est docteur, là, dans la famille. Je te mets pas de pression, là, mais. I say, hey, what's going on? And I say, hey, yeah. Oui? École complétée en avant-midi. Tout le monde est en vie, les filles! Personne répond! Juste le chien est à co... Ton masque, il va bien, Mila? Oui. Personne te reconnaît comme ça? Oui. Donc, pour dîner, riz aux légumes très rapide avec de la viande à l'intérieur. Les pyjamas sont prêts pour ce soir avec les nouveaux sous-vêtements. Puis là, je suis en train de préparer les vêtements pour demain. Rose, enlève ton appareil de sur la table, s'il te plaît. Pourquoi? Ben, c'est pas très hygiénique. Comment ça? Ta soeur a de la misère à manger à cause de ça. Donc, c'est parti pour la petite marche. On fait le tour du bloc, puis on fait un petit arrêt au parc, un petit 10 minutes. Au parc, un petit 10 minutes, question de changer d'air un peu, dépenser notre énergie, puis après ça, on revient à la maison pour recommencer les cours. Donc, pour se rendre à la maison, les filles, je vais vous demander de courir, OK? Pour dépenser toute notre énergie, ça marche. Un jogging jusqu'à la maison. Mais pas au milieu de la rue, là. Il y a supposément un nouveau point de presse à 13h. À la fin, ça allait comment plus vite? Me demande, c'est quoi ça? Les jolies filles aiment se maquiller. Mais pas se maquiller normalement, là. En pirate. Avec une moustache. Ça, c'est des vrais, hein? Ouais. Ça, c'est des vraies filles. Ça va quand même bien, je suis vraiment pas stressée. Quoique, je me suis mangée toutes les dernières ongles. Un signe d'anxiété. Je vais se reconnecter et... Si ça marche pas encore, maman? On réessaye. Non, là. Ah, ça marche. Mmh. OK, donc on a réussi. Là, il y a quelqu'un d'autre. Mila, je reviens dans pas long. Il y en a un autre qui me demande de l'aide en haut. En même temps, en fin de compte, le poste qui était dans le salon, on l'a mis dans mon bureau parce que là, sinon, on entendait des sons de tout bord, de tout côté.
OK, un autre fils ne répond pas. OK. Ouais, c'est comme... Besoin de café plus que jamais. Puis là, je suis en train de faire un genre de toutou à ma fille, à ma plus jeune. Pendant que les autres sont en cours, elle trouve ça bien long. Puis, dans le fond, on a fait imprimer un dessin comme ça et le même de l'autre côté pour que ça fasse comme le dos. Puis, on met comme des feuilles froissées dedans puis on broche au contour. Il y a certains professeurs qui m'épatent littéralement pour entertainer les enfants avec leur créativité sur un écran. C'est incroyable. Bravo! Pendant que ma plus vieille finit son traitement de texte, ma plus jeune s'amuse à fouiller dans mes anciens bijoux. Ouais, t'as-tu fait une belle découverte? Maman! Attends, je vais vous le montrer. Attends, regarde ma bague! C'est beau. Regardez. Et je m'en viens. C'est beau, hein? Ouais. On a essayé. J'ai jamais mis ça autant. Petite dernière lecture, et après ça, on est fini. Puis avec mon dos, t'es bouché libre, hein? C'est maintenant rendu l'heure de ma robe de chambre. Je m'en vais préparer le souper de quoi de bien, bien, bien relax. Futuccine Alfredo avec une bonne petite salade. On close ça. Puis là, il va falloir que je me donne des trucs pour faire ma nourriture d'avance, dans le fond. Parce que là, rendu à cette heure-là, je pense que je commence à être quand même légèrement fatiguée. Puis il y a les bains à donner et tout. Donc, sur ça, la gang, on se dit à demain!